La compétition est dans 5 jours. Bonjour à tous, moi c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui à Fitness Park Les Quins. La compétition est dans 5 jours, donc NPC Allison Test U Cup à Lille Grand Palais. Donc on a fait la route il y a quelques jours, on vient d'arriver, il nous reste quelques séances à faire avant la compétition. Donc vous allez me suivre un peu sur ces jours pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que je fais, ma routine, mon quotidien, et puis vous montrer quelques séquences d'entraînement, et puis c'est parti. Les amis, là aujourd'hui je vais vous montrer la condition avant le rebond. Donc là on est à J-5 de la compétition et je peux vous montrer qu'un physique peut totalement changer. Donc on va faire une vidéo posing aujourd'hui, on en fera une juste après le rebond glucidique, la veille de la compétition. Ah, le cardio, tout ce que j'aime. Direction Leclerc pour faire les courses pour le reste de la semaine. Donc légumes, protéines, encore des légumes et encore des protéines. Let's go. Donc là, on mange tous ensemble. On a 100 grammes, même pas, 60 grammes de riz, 160 grammes de viande. De dinde, une tranche de pain de seigle, 150 grammes de brocoli. Donc, petit repas post-training. C'est parti, bon appétit.
les gars, donc aujourd'hui c'était deuxième jour à Lille, donc deuxième séance, donc toujours à Fitness Park, l'Équin, superbe salle d'ailleurs que je recommande si jamais vous passez par Lille. Pas trop de monde, un bon petit Fitness Park avec tout ce qu'il faut. J-4 maintenant avant la compétition, on continue à vider les réserves de glycogène. Je vous cache pas, je suis totalement KO, mais il faut tenir et ça va, l'équipe me motive bien. Donc là on va rentrer manger, donc toujours bas en féculents, majorité de protéines, un peu de lipides toujours et full légumes. On fait le plein de vitamines également et puis après cet après-midi on va aller marcher un petit peu pour continuer à perdre. Et puis dernière séance, ça sera demain, on se retrouvera pour une séance épaule, donc ça sera la dernière séance de la semaine et après il restera plus que deux jours, donc de repos total. Et là on va commencer une petite recharge progressive pour arriver vraiment plein le jour de la compète. Merci à tous pour la force en tout cas et on se voit plus tard. Bah, c'est parti, petite balade à l'heure à Lille cet après-midi. Regardez ce qu'on a en collation, de la pomme, du thon, tomate cerise, salade, un délice. On est parti aujourd'hui pour une séance épaule. Ça va être la dernière séance avant la compétition. Faut savoir que cette semaine, on a fait 3 entraînements à la suite. Donc lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, on fera un repos total. Pour vraiment récupérer, recharger les batteries. Et surtout, pour avoir une bonne réplétion glucidique, c'est-à-dire une bonne recharge glucidique. Favoriser vraiment l'approvisionnement des glucides dans les muscles. Le but, c'est que le jour J, en arrivant à la compétition, on ait perdu un maximum de rétention d'eau et qu'on ait rechargé un maximum de glucides pour que le muscle ait un effet plein. Donc ça, c'est pas évident à faire parce qu'en étant en décharge, on a fait 10 semaines de sèche. Donc bien sûr, en descendant progressivement les glucides. Donc là, en gros, les journées se résument à quoi? On se lève le matin, on prend le petit déj assez tôt, on arrive à la salle, on se fait une séance. L'après-midi, on essaie de se balader, de garder une activité pour continuer à perdre des calories. Là, par exemple, aujourd'hui, on va partir à la plage. Ça va être plutôt chill. On commence à rentrer dans la phase de récupération avant la compétition. Donc la grosse séance épaule pour terminer en beauté la semaine. Et après, la prochaine fois qu'on se voit, ça sera juste avant le concours. Donc ce que je vous propose, c'est de vous filmer aussi la partie où on va se peser. Donc le check-in aura lieu le vendredi, donc une journée avant. Donc va avoir lieu la pesée et ils vont me passer une première couche de tan. Donc tout ça je pourrais vous le montrer en détail pour vous montrer un peu comment ça se passe avant une compétition. Et puis après on se verra sur scène. Post-training, beaucoup de sel, dernier jour haut en sel, en sodium, et demain on décharge le sel et l'eau. Donc le fait de prendre beaucoup de sel sur la prépa, sur les derniers jours, ça permet de désactiver une hormone qui s'appelle l'aldostérone, et cette hormone est responsable de la rétention d'eau. Donc le but c'est de la désactiver, apporter énormément d'eau à l'organisme sur la fin de la prépa et brutalement réduire l'eau et réduire le sel. Donc avec un effet retardé, le corps n'aura pas le temps à nouveau de créer de la rétention d'eau, il va se vider en eau. Le but c'est d'avoir le moins de rétention d'eau possible et d'avoir le muscle le plus plein. Donc là on a du poulet, du chou et 70 g de riz pesé cuit. Bon appétit.
Hello les amis, aujourd'hui nous sommes à l'île Grand Palais, donc J-1. Ce soir entre 6h et 7h, ça va être la pesée. Donc là il commence à avoir pas mal d'athlètes, pas mal de beaux athlètes. Donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Et puis on va passer une première couche de tan. Pour ma part, hier c'était repos total. On a commencé à bien recharger en glucides. Ce soir on va aller se faire plaisir aussi au bar à sushi. Et je vous y emmène aussi après pour vous montrer un peu ce qu'on va manger, comment bien recharger pour être plein pour demain. Et puis bah, j'essaie de vous filmer un maximum de passages et de choses au cours de la soirée. Ça y est, on vient de se faire tanner. Là, on se retrouve devant Zenwalk. Maintenant, on va se faire plaisir. On va se démonter le bide comme jamais parce que la prépa était très longue. Pour ma part, j'ai eu des envies de sucre et de bullshit comme j'ai jamais eu avant. Et donc, je vais me relâcher ce soir. Et puis, on verra la condition demain. Mais normalement, par rapport à mes précédentes prépas, ça va vraiment m'aider à recharger et à bulker pour demain. Et après, il n'y a plus qu'un. Je pense que le taf a été fait maintenant jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tout le reste, ça va se passer demain. Donc, les amis, bah, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va manger juste après. À tout de suite. Les amis, aujourd'hui c'est le jour J, donc là vous pouvez voir juste en haut, il y a encore des personnes qui vont passer pour se faire tanner. Donc ce matin c'est les body qui passent en premier, ensuite il va y avoir les classiques physiques, et ensuite ma catégorie les men's physiques, et juste après ça bikini, wellness, toutes les catégories femmes. Donc ben, je vous emmène avec moi pour vous partager un maximum de choses. Moi je dois me faire tanner une deuxième fois ce matin vers 9h30, et en attendant on va aller se poser pour aller voir les gros body. A tout de suite. Benjamin Benichu. Deuxième position, on s'avance. 450, Benjamin Benichou. Ok les amis, donc là, petit retour sur ces 7 jours, comme vous pouvez le voir, médaille, seconde place en men's physique novice. J'ai concouru aussi en men's open, malheureusement ça n'a rien donné sur l'open. Il y a vraiment beaucoup d'athlètes avec du gros volume d'entraînement, donc c'est bien, ça motive pour la suite. En tout cas, j'en suis fier quand même de ce que j'ai parcouru. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages tout au long de cette aventure. Et puis bah là, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est partir manger, parce qu'on s'est privé pendant un certain temps, donc là, ça va faire plaisir de remanger. En tout cas, encore merci pour tout, et puis on se donne encore plus de motivation pour la suite. À bientôt.